Salut à tous, c'est Unwin! Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc petite série au calme. Je vais vous présenter la tenue de Hitman. Alors, oui, je sais, je suis en scooter. Ça peut paraître bizarre. Hitman en scooter, mais pourquoi pas? Scooter dégueulasse, hein, il peut tuer des gens. Hein. On va vous le prouver après. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo avoir la tenue de 007, ouais, c'est ça, la tenue de 007. Je vous avais demandé tout simplement de me proposer des tenues, donc il y a eu pas mal de demandes, hein, pas mal de gens qui ont donné des tenues, etc. Même sur Twitter, j'ai reçu des photos. Donc aujourd'hui, j'ai pris la proposition de Zaycorn, s'il se reconnaît, qui m'avait proposé la tenue Agent 007. Agent 007, ça c'était avant, pardon. Il m'a proposé la tenue de Hitman, Agent 47. C'est pour ça que j'ai fait la. Bref, j'ai fait l'amalgame. Donc c'est Agent 47. Donc on va vous présenter cette petite tenue qui, franchement, je la trouve sympa. Avec le crâne rasé, etc. Je vous montre ça tout de suite. Et si vous voulez me proposer des tenues, n'hésitez pas à me proposer des tenues en commentaire. Comme ça me permettra de les présenter, de les partager à tout le monde. Et pour ceux qui n'auraient pas vu les tenues que j'ai déjà faites, vous allez sur ma chaîne, il y a une playlist avec toutes les tenues. Dont celle-ci qui en fait partie maintenant. Plus pas mal de tenues comme 007, avoir la tenue de Pablo Escobar dans le film. En fait, c'est des véhicules, enfin des tenues de films et de séries. Donc voilà. Si vous avez un peu des films récents, pourquoi pas aussi, genre comme 007 Spectre et Agent 47 Hitman, c'est des films récents. Du coup, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des tenues. Donc c'est parti, moi je vais vous montrer ce que j'ai mis pour cette tenue. Hein. Vous allez voir que c'est assez ressemblant au niveau de la miniature. J'ai fait la comparaison PS, enfin la comparaison GTA et dans la vraie vie. Donc voilà, dans le film. Donc c'est parti. Alors, déjà veste de costume, hein. On va aller dans les hauts, hein, veste de costume. Vous mettez la veste cintrée noire. Donc après, moi je sais pas, mais moi c'est la 23 sur 55. Peut-être que vous avez pas 55 tenues, enfin 55 vestes. Donc vous prenez veste cintrée noire. Parce que pour moi c'est la meilleure. Après vous avez d'autres vestes. Franchement là j'aime bien la. En blanche elle est pas mal, hein. Bref, il l'a pas en blanche, mais voilà, je l'ai trouvé sympa. Celle-ci. Enfin bref. Donc, veste cintrée noire. Après, je vous ai dit, il y a d'autres tenues. Attendez, c'est où c'est voilà, veste Hardwars. Si vous préférez celle-ci. Moi, je préfère plutôt... Il y a veste retroussée aussi. Mais bon. Voilà. Comme je vous ai dit, vous mettez celle-ci, veste cintrée noire. C'est assez ressemblant au niveau du film. Ensuite... du coup, il a une chemise, hein. Au niveau de la chemise, bah, pas rien de compliqué. Il a le corps tout nu. Avant, il était poilu, il est plus poilu, mon perso, maintenant. C'est chelou, ça. Quel crâne rasé, là. Dégueulasse. Crâne rasé avec barbe rasée de près et sourcils assez dégueulasse, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas mal. Alors, donc, au niveau de la chemise, je disais, donc, chemise, on va chercher, voilà, blanche sortie, non, c'est blanche rentrée. Alors, blanche rentrée, voilà. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas mis directement. Donc, c'est la 30 sur 51. Donc, voilà, c'est la chemise blanche rentrée. Hop, on met ça. Ensuite, je vais vous montrer, du coup, directement la cravate, hein. En même temps, je vais vous montrer les gants, les accessoires. Et après, on ira voir le reste. Ensuite, donc, parcourir les accessoires. Cravate. Vous allez mettre la cravate rouge. Après, si vous aimez pas qu'elle soit grosse comme ça, je peux vous proposer aussi la cravate. Attendez, elle est juste en bas. C'est la cravate fine rouge. Voilà, celle-ci. Mais dans le film, il a plutôt une cravate comme celle-ci, là, rouge. Plus épaisse que la fine, enfin elle est pas fine quoi du coup. Donc voilà, vous mettez celle-ci en rouge. Ensuite au niveau des gants, ça dépend, bah
Il me semble dans la couverture du film, il a des gants comme celle-ci. Pratiquement les mêmes, avec un petit trou. Donc j'ai préféré mettre les gants, ça fait vraiment stylé. Alors vous allez voir quand je vais sortir une arme et tout, ça fait sympa. Donc vous mettez gants de conduite noire. Voilà. Ensuite, les chaussures. Les chaussures, j'ai pas vraiment vu au niveau des shoes. Mais je vous propose celle-ci, les chaussures religieuses noires. Ce que je les trouve religieux, pardon, noires. Ce que je les trouve assez sympa. Voilà, vous mettez celle-ci. Je les trouve sympa pour moi. Ça rend bien avec la tenue. Sachant qu'il est assez chic, etc. Moi, je vous conseille de mettre celle-ci. Après, vous avez plein d'autres choix. Mais bon, vous voyez, ça fait pas vraiment sympa avec la tenue, quoi. Si vous mettez ça par exemple, c'est bof quoi. En noir, si vous mettez ça, des mocassins, ça va pas du tout avec cette tenue. Moi, je vous conseille plutôt de mettre des. Celle-ci quoi. Voilà. Celle-ci. Noir uni. Voilà. 44 sur 51 pour moi. Voilà. Ensuite, au niveau du pantalon. Donc, pantalon, rien de compliqué, je pense. C'est parti, hein, je vais vous montrer ça. Pantalon. Pantalon de costume, pantalon noir. Voilà. 50, 51 sur 56. Donc c'est tout simplement un pantalon de costume. Après, je vais plutôt voir aussi. Il y a aussi des. Ouais, Hitman avec un truc si. Dégueulasse, on dirait une victime. Oh. Hitman dégueulasse. Ça fait ça. Voilà. La tenue d'Hitman dégueulasse, si vous aimez bien, vous mettez un slim noir. Enfin bref, voilà. Ensuite, si vous aimez bien cette tenue, bah, je vous conseille du coup de l'ajouter dans vos tenues sauvegardées. Donc voilà, c'est ici là le premier truc, tenue sauvegardée. Vous modifiez vos tenues, puis voilà, vous mettez une tenue sauvegardée. Rien de compliqué. Voilà. Donc là, je vais vous montrer du coup le reste de la tenue. Hein. La coupe. On va aller au coiffeur. Qu'est-ce qu'il a? Pas un peu chelou lui. Avec son t-shirt là. Ça fait magnifique. Hitman en scooter. Je respecte rien. Pousse-toi de mon chemin. Bébé. On arrive. On a dépassé, je crois. Voilà, c'est là. C'est parti. Je vais montrer la coupe que j'ai mis. Donc la coupe rien de compliqué je pense, hein, vous l'avez donné douté. Alors, au niveau de la coupe, vous allez mettre rasé de près, donc c'est la première. Voilà, rasé de près, vous avez déjà cette coiffure. Côté rasé, oh dégueulasse. Donc vous mettez celle-ci, rasé de près. Mais bon, ça doit être quand même stylé de mettre un petit truc comme ça. Ça fait pas crédible du tout, coupe biker. Ah ouais, dégueulasse. Là, vous mettez rasé de près. Ensuite, au niveau de la barre, vous mettez rasé de près aussi. Du coup, les deux, c'est les premières, hein, rasé de près et coiffure aussi. Donc voilà, au niveau de la coupe, vous mettez ça. Après, si vous voulez pas changer votre coupe, bah, vous pouvez très, très bien prendre juste la tenue. Hein. Bon, ça, c'est selon votre choix. Si vous préférez la tenue, moi je trouve sympa aussi la tenue. Assez sympa. Et donc voilà, vous mettez comme vous voulez. Du coup, attendez, je vais sortir une arme. Pas mal de PNJ là. Avec un truc assez long. Ah, là, ça me paraît pas mal ça. Non. Un truc un peu plus long. Ouais, genre ça. Ça peut être pas mal, non? Pas un gros, vraiment gros canon long là. Bah non. On va prendre celle-ci comme j'avais dit. Là tu as un peu de PNJ là. D'où Hitman, d'où? Vous êtes des fous, vous d'où? Venez, viens des ma bande. Une fois que vous avez la tenue, vous pouvez faire n'importe quoi sur Los Santos. Comme la tenue 007. Viens ici toi. On reprend notre scooter dégueulasse. Course poursuite. Merde. Attendez, je remonte. On va aller
Tiens, il y en a un là-bas. Notre but est de tuer cette personne. Alors, ah, il y a un pont, on va prendre le pont. Mais il est où? Il a disparu, Penji. Ah ouais, il a disparu. On va en chercher là. Ah. Viens ici, toi. Ils sont les flics. Ah ouais, ça monte même pas. Le respect. Le respect, je respecte même pas cette nuit pauvre. Il y a des flics. Allez, viens, des. Merde. Pourquoi je sors le pistolet de détresse? Merde, waouh, le PNJ. Ouais, il me respecte pas. D'où est? Reste tranquille, gros. Restez tranquille, là, je suis Hitman, moi. Je kiffe cette arme, au passage. Toi, tu meurs, toi. Ils sont à terre. Bon, on a fait un peu de ménage ici. Viens là, toi. Merde. Non, je l'ai pas eu. Ah, dommage. Bon, voilà. On en finit pour cette vidéo du coup. N'hésitez pas à me proposer des tenues dans les commentaires. Comme ça, bah du coup, je ferai votre tenue. Comme ça fera aussi voilà, pas mal d'épisodes pour vous. Et voilà, donc n'hésitez pas à proposer votre tenue. Elle est sympa. Elle est vraiment stylée. Bye!